Ben, moi, là, commence la musique avec un bon camarade, hein, un bon camarade de ça va, lycée, l'école. Dans nous à 4 ans, toutes, nous avait, ben, l'avait à moi, l'avait trois Patrick. L'avait trois Patrick, l'avait Patrick Ferrand, l'avait Patrick Rémul. Et puis l'avait à moi aussi, tu appelles Patrick. Et puis l'avait un autre Dallon, tu appelles Yannick. Et ben, nous la démarre comme ça. Et du coup, ben, pour commencer, pour casser les couilles, ben, nous dit, comme nous l'est à trois Patrick, ben, nous va appeler à nous les Pat Band. Donc, là, on commence comme ça, jouer un petit peu entre nous, comme ça, avec deux, trois camarades, pour bande d'allons aussi, et t'es apprécié bien, cette nous t'es fait. Donc, nous t'es fait bon père reprise, hein. Du temps là, ben, c'est quoi l'influence à nous? Ben, c'était, l'avait Ravan, et puis l'avait Oussan Sava, l'avait Frédéric Joron, avec son bande texte, tout ça là, ben, ça me t'es apprécié bien. Du coup, ben, même, m'a eu l'occasion aussi, avec Frédéric Joron, ben, fait un duo avec lui, m'a eu ce privilège là, ben, pas trop longtemps de ça. Donc, m'a évoqué un petit peu, ben, dans le morceau, m'y évoque un petit peu la musique d'un temps avant, comment nous t'es conçu, comment nous t'es fait. C'était plus par passion, plaisir de jouer, plaisir de retrouver à nous avec camarades et partage le même passion. Donc, le morceau n'a fait avec, il n'y a pas le temps qu'à bas, parce que nous t'es joué aussi souvent, nous t'es joué presque tous les samedis, même gratuitement, ben, les gars, t'es ça va, t'es mettre ensemble, t'es aime la musique, ouais. Donc, le temps qu'à bas, ben, mais nous avons fait ça avec Frédéric Joron pas trop longtemps. Oui, m'y rappelle encore dans ton cabar tous les samedis. Nous te commence bonheur, nous te fini après minuit. Nous te rentre pas l'endroit, nous te ça va même si t'es loin. Oui, ça t'es le bon temps dans le temps qu'on avait musicien. À moi, mon bande d'influence, ben, c'est, m'y écoute un petit peu de tout, hein, m'y écoute un peu toutes sortes de musique, surtout, ben, quand on a de jolis textes aussi, ben, m'y apprécie bien, quand on a la musique aussi d'hier, ben, les normales. Et puis, ben, les influences, c'est reggae, et puis, m'y écoute un petit peu tout, hein, c'est un petit peu jazz fusion, un petit peu du funk, un petit peu maloya, bon peu Sega, musique locale. Et puis, ben, on a des artistes, comme on l'avait dit, au niveau local, qui m'y apprécie bien, que m'y aime bien écouter, que aussi il a été primordial dans notre début, comme on l'avait évoqué, Bastia, tout ça. Et puis, ben, on a des artistes aussi que comme il a, m'y écoute, m'y apprécie aussi, comme Gérard Ringer, tout cela. On a Biel Ivoula, on a tout ça. Donc, c'est pas vraiment des influences, mais c'est des artistes que m'y apprécie, que m'y écoute et que m'y apprécie par rapport aux autres textes, par rapport aux autres mélodies. Donc, tout ça là, c'est ça un peu, des influences. C'est grâce à vous, Midi, merci. Mon vie, c'est où même la construire. Tout ça, faut pas croire, mais oublie. Les mecs, si moi, les la sortie. Alors l'inspiration y arrive comme ça, on nous va dire, hein, c'est pas que mais il décide pas, mais il dit bon voilà Zordim, ça fait un morceau, donc ben voilà, il prend un stylo, il prend une guitare, non, n'est pas comme ça du tout, enfin en tout cas pour moi, l'inspiration c'est voilà, on a une idée, il arrive dans la tête comme ça et puis voilà, ben il écrit en même temps, il compose et du coup les inspirations les diverses, nous va dire, c'est un petit peu la vie de tous les jours, la vie quotidienne, cette image à moins cette mi-voix, cette mi-veux, il y a certains affaires que mi-veux exprime aussi, mi-veux exprime parfois cette mi-ressent, et donc on en a dû vécu aussi dans certains morceaux, mais ça pas des autres lesquels, mais on a dû vécu, on en a aussi ben, des morceaux que mi-fait comme ça, mais selon l'inspiration du moment, quoi, c'est pas que moi je suis un thème particulier, mais selon ce qui inspire à moi, et puis ça va dessus le thème, et puis voilà, mi développe à lui, mi compose, et puis nous écrit, et puis voilà, il nous fait un morceau. Et par exemple, dans le morceau mon patron était plus à l'inspiration, mais c'était plus du vécu aussi, parce que nous va dire que moi l'avais bon, beaucoup de patrons, mais il y en a un parmi, mais il n'était pas aussi un bon patron, quoi, il nous va dire ça comme ça. Et donc, pour moi, mettre un petit peu mise au point aussi là-dessus, c'est pas que m'y fait un morceau pour les patrons, parce que voilà, m'y ça critique mon patron, hein. Non, on a travaillé avec beaucoup de patrons, il était cool, tranquille, paye bien de ça. Et il y en a un, ben, parmi, il connaît, il y a l'exception, hein. Il y a toujours l'exception, hein. Et donc, c'était l'exception, donc c'est pour ça que moi, l'a fait ce morceau-là. Les travailler en bas là-bas, parce que moi j'ai un problème la fin du mois. Patron, il comprend pas quand on travaille, faut payer. Moi j'ai une famille, moi j'ai des enfants pour moi songer.
Alors dans l'évolution, la musique lui-même, pour moi, là, il y a eu des personnes, hein, parce qu'ensuite, après avoir commencé avec le petit groupe TPL KDR, avec le band d'Alon, comme on l'avait cité, et nous l'a continué, nous l'a avancé, puis nous étions influencés par le Ségué, avec Racine Tatane, que l'arrivée des hier, donc nous a fait un petit peu de Ségué. Ensuite, nous l'a fait, c'était Nawa, que le groupe Nawa, avec, on avait commencé, avec, parce que ce band d'Alon, que nous avait cité à Zod, chacun l'a fait son petit chemin, n'a un peu la partie de l'autre côté là-bas, n'a un peu la mariée, n'a un peu la, il était contrainte professionnelle, nous va dit, et puis nous l'a continué. Dans la foulée la même, Nawa l'aîné, et puis avec deux trois toujours band d'Alon, nous l'a continué jouer, et puis nous a créé le groupe Nawa, et donc il y a eu des personnes là-dedans que est là jusqu'à aujourd'hui, nous va dire Isaïe, nous est là qui m'accompagne, qui accompagne moi aussi sur la scène, qui aussi chante, et nous avons ma fille, nous avons Magali, nous avons Aurélie aussi, et François Virama, c'est un petit peu le noyau de Nawa, que était là depuis le début, et que voilà, qu'il a toujours été présent, que ce soit au niveau de la scène, que ce soit au niveau de l'enregistrement, donc il était là. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut compter encore de 6 autres. Alors on a des personnes qui comptent, que les là et qui permettent à eux vraiment on a fait un petit pas en avant, et parfois permettent à eux de retrouver un petit porte aussi. Déjà depuis le début même, au début, nous étions pas assis, on était joué un petit peu dans le zéab, nous étions avec un guitare sur un pied tamarin, et puis il avait un petit monsieur tout le temps qui passe, hein, il passe, il garde à nous, et puis tout d'un coup, un jour il arrive, il arrête, et puis il prend le petit sentier, il vient voir nous, il dit, qu'est-ce que tu fais dans le zéab là? On a une petite salle là-haut, il était sur grand fond, et donc viens autre, il y en a toutes, les équipé, c'est un sono, tu peux jouer dessus, c'est une salle de réception, tu peux jouer dedans. Et donc, lui, c'était monsieur Roland Hippolyte, qui est là aujourd'hui, mais c'est le premier personne que vraiment la rouvre un chemin pour nous. Ensuite, il y avait d'autres personnes, il y avait aussi Jean-François Aubin, qui l'a permis à nous de faire deux albums avec lui. Et puis, on a d'autres personnes, puis surtout après, on a Dallon Spedi, que c'était au niveau de la radio. Radio Piquant ou de qualité sur une autre radio, il te permet à nous de diffuser aussi notre monde morceau. Donc c'est des personnes que voilà, qu'elle était là et qu'elle était primordiale pour nous. Il y avait aussi Jean-Claude Coindin. On en a toutes ces personnes-là, à chaque fois, à chaque petit bout de chemin nous t'es fait, elle était là. Et puis même si t'es pas grand chose, mais t'étais vraiment important pour nous. Et puis te permet à nous aussi d'être vu, d'être connu et de jouer. Oui, donc voilà, on en a, et puis avec Kako Amilcaro, il a été fait aussi des petites vidéos pour nous, tout ça, mais c'est des petites affaires, des petits gestes que tu comptes vraiment pour nous, et que jusqu'à Zordi, elle est là, même Zordi, on a Tony de Piquant, on a Bertrand Grondin qui laisse la porte ouverte, okay. Et donc pour les artistes surtout en général, pour la musique locale, pour la culture, donc c'est des personnes que les très importants pour moi, mais je pense que pour beaucoup aussi, des artistes locaux, quoi. Alors le premier scène que la marque à moi, les scènes que la marque à moi, mais c'était le premier, comme il me dit, le premier scène, c'était Possession, la Possession. Donc pourquoi la marque à moi? Parce que nous la débarque comme ça. Nous arrivés, nous l'avons joué, c'était comme si nous t'étions joué depuis longtemps, quoi. Nous avons monté en l'air, nous n'avions pas de stress. Comme là, on a plus de stress de faire une scène, le premier scène que nous l'a fait,
aucun stress, il était là tranquille, nous a monté, nous a fait une prestation, de monde l'a apprécié, puis nous l'a descendu, et puis nous était content. Et pour nous, voilà, nous était vraiment, ben, nous était sur un nuage, quoi. Et donc voilà, c'était le premier scène. Ensuite, on avait un autre scène aussi très important que la marque, à moi vraiment. C'était un scène que nous l'a fait à Piton-Saint-Leu, l'espace, la place Foirail. Et donc là, elle avait des milliers de personnes, on va dire. Et donc, ben, il était très important parce qu'elle avait beaucoup de monde. Et surtout pour nous, pour moi personnellement, ben, quand il jouait, ben, si là, le public est là, ben, nous aussi, ben, nous répondre présent. Nous s'est fait tout notre possible, ben, pour faire plaisir à ce public-là, pour faire un bon ambiance. Donc c'est un scène, c'est parmi d'autres scènes, hein, avait beaucoup d'autres scènes qu'il était très important, qu'il avait beaucoup de monde, qu'il appréciait, mais des scènes marquantes comme ça, n'a pas beaucoup. Et donc ces deux scènes-là, le premier et puis la place Foirail, une année, c'était un 20 décembre, je me rappelle. Et donc, ben voilà, c'était noir de monde, et puis nous l'appréciait, et puis nous a passé un bon soirée, quoi. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Les soutiens que Nana a jusqu'à aujourd'hui, le soutien, ben, le bon soutien, ben, Nana a toujours, hein, n'a pas beaucoup, hein. Je veux dire que n'a pas beaucoup de personnes y aident à où, mais il est très important, hein. Et puis, il y a des gens qui restent là, que les fidèles qui suivent. Nous, on a la famille aussi derrière, on a le bon cousin, le bon cousine, côté Saint-Paul, tout ça là, ben, il est là à chaque fois et, il encourage à eux, il encourage à eux à faire cette ou faire. Donc, il est très important. Et puis, on a la famille, on a Noéla, qui est ma compagne, comme maladie, et que, ben, voilà, qui chante avec moi, qui participe, que nous écrit, que nous co-écrit, que nous partage la musique avec. Et on a Magali, qui est toujours là, et que, voilà, qui fait des chœurs aussi. On a, c'est des personnes qui étaient là depuis avant, qui restent là, qui l'a grandi aussi, comme Magali, par exemple, il a grandi avec nous. Audrey, Magali, Aurélie, tout ça, ben, c'était des danseuses et Magali chante un petit peu, il chante toujours un peu avec nous, il fait quand même les chœurs, il est toujours là, même si on a notre vie familiale, hein, on est marié, on a notre enfant, mais il est toujours présent quand il faut, quand il a besoin. Et on a François Virama, on a Julien, que nous m'appelle Zahi, qui fait clavier et qui a toujours été là, toujours été présent. Et puis il y avait aussi une personne aussi qui était présent, qu'il était là, mais qu'il n'est plus là. Et je pense que de là-haut, il continue à suivre à nous. C'était Marc. Marc, qui était notre bassiste. Donc, notre appel à lui Marcus, pourquoi? Parce que lui était vraiment fan de Marcus Miller, et comme il appelle Marc, ben, nous appelle à lui Marcus. Donc, c'est une personne qui manque à nous aussi dans la musique, qui manque à nous surtout dans le groupe. Et donc, voilà, ben, rendre un petit clin d'œil, un petit hommage à lui, et puis, pour dire que nous pensons à lui toujours, et puis, voilà, qu'il reste présent aussi dans notre son, quoi. Alors, mon plat préféré. En fait, Missa dit que on a deux plats préférés. Enfin, m'y mettre les deux dessus le même pied d'égalité. Nous va dire que nous avons le massalé, le kabri massalé que nous et là il fait. Et donc ça, ben voilà, ça c'est les vraiment le meilleur pour moi en tout cas. Et puis aussi, ben nous avons le civet cana que mon grand-mère t'a fait du temps et que ma tante là reprend aussi là. Et donc du coup, ben voilà, mais continuer toujours à apprécier ces deux plats là. Également. Et puis, m'y aime toute la musique, et de la musique revient chaque fois. M'y aime toute la cuisine, m'y aime toute bonne plat créole, tout ça, m'y aime bonne plat chinoise, sop sui, tout ça là. Mais après, mon préférence, si ça va dessus, ces deux plats là. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Alors, si par exemple, un jour, bon Dieu, dis-moi comme ça, à descendre de la terre,
réincarne moins dans les animaux ou dans les, voilà, dans les animaux par exemple. Si moi choisis dans quel m'y ben m'a dit lui ben voyons moi dans un papang, pourquoi ben un papang, ben toujours un mystère pour nous, la Réunion, les parcs c'est si vraiment, mais il est là et nous va dire ben il plane, il regarde, c'est son regard d'observation là, c'est son manière d'observer. Donc c'est ça, moi aussi mon observation sur le monde, sur mon entourage aussi, comme ça. Donc pourquoi pas. Ils ont partagé le bon. Alors pour moi la musique c'est une passion. Passion, la musique pour moi c'est pas la raison. La musique, c'est pour moi, c'est pas fait un business, c'est pas fait être la gloire, tout cela, non, il n'intéresse pas. Donc cette mi-fait me veut dire que mi-fait pour moi et puis mi-partage. Donc pour moi, trouve le plaisir déjà dans cette mi-fait et puis partage avec ce que tu veux entendre, ce que tu veux écouter, ce que tu veux apprécier. Et donc moi, les tout simple, les comme ça, et puis moi, il reste moi-même dans la vie tous les jours. Moi, on a d'autres passions aussi, en dehors de la musique, d'autres passions que la vidéo. Là, il y en a une web TV, il appelle ça le TV. Donc, nous fait beaucoup de vidéos. Ça fait partie de parmi mon bande de passions qu'on en a en dehors de la musique. Mais tout ça, de toute façon, il revient toujours dans la musique. Hein. Et après, l'autre passion, ben, c'était le foot. Football, ben, ma pratique un petit peu hein, en tant qu'amateur, comme ça, et un peu marron, un petit peu dans le club, dans des petits clubs, la cour. Comme là, ben, voilà, et puis elle a plus l'âge de pratiquer, mais elle a encore l'âge de regarder. Et je regarde mon garçon jouer, par exemple. Et puis, voilà. Et puis, il reste spectateur et téléspectateur. Donc voilà un petit peu cette manana, ce que m'y voit, m'y ressent pour la musique locale et puis cette manana en dehors de la musique. Quand m'y lève grand matin, m'y sarote un boulot. Il dit n'a point pour moi parce que diplôme il faut. Mais là pour pas se valier, il faut les qualifier. Mais y'a nous pour assise, après il crie la crise. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va très bien. Et à part ça, tout va bien. À part ça, tout va très bien. À part ça, tout va bien. À part ça, tout va très bien. Et à part ça, tout va bien. À part ça, tout va très bien. Mon femme la quitte à moi, la dit-moi les voyants. Yeah.